que nous comptons ce que nous pouvons. Merci d'être notre phare, merci d'être entre nos balises, et que quels que soient les flots que nous devons traverser, nous savons que tu es avec nous. Et merci d'être en ce moment dans cette enseigne, et permets-nous d'être pénétrés par ta parole. Amen. Je suis très contente de vous voir. Nous sommes le mois de juillet, qui dit juillet dit vacances. Et justement, quand on a chanté le phare, je me suis dit que j'étais près de l'île du Gosier, pardon, ou encore à Vieux-Fort. Parce que justement, le phare, à ces endroits-là, fait son job. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler la thématique « La croix, le risque salutaire » et c'est aujourd'hui. Alors, nous avons parlé du mois de juillet, qui dit juillet dit vacances, et permettez-moi de vous dire, on va faire un tout petit voyage en Guadeloupe. Nous parcourons les quelques traces de la Guadeloupe, mais nous allons aussi dans les airs et frôler les cieux célestes. Vous êtes avec moi pour ce petit voyage? Alors, tu peux lancer. Alors, la Guadeloupe, vue du ciel, c'est un papillon qui est posé sur les eaux de la Caraïbe. Elle se cache derrière un luxuriant paysage qui ne va pas du tout faire fuir les voyageurs, mais tout au contraire. Elle va révéler la profondeur de ses champs, sa biodiversité, sa forêt humide et sa cuisine très épicée. Je vous laisse regarder un petit peu. Ça va être compliqué. Je serai obligée d'avoir un micro peut-être à la main. Freddy, je peux prendre celui-là pour la main ou l'autre? Alors, on parle d'archipel guadeloupéen parce que il y a au fait 5 îles. Où je suis sur l'île de la Grande Terre. Mais il y a aussi l'île de la Basse Terre. Merci. Il y a Marie-Galante, Désirade et les Saintes. Chaque île montre sa beauté. Mais nos îles regorgent de belles plages, de beaux sites pour de belles balades, où nous pourrons apprécier les richesses diversifiée de nos îles. La Guadeloupe regorge d'animaux, de végétaux, d'écosystèmes et de paysages tant marins que terrestres, et nous bénéficions bien entendu des conditions géologiques, climatiques, du sol et du relief qui favorisent une biodiversité exceptionnelle sur un territoire restreint. La Guadeloupe, c'est plus de 1400 km² et tout l'archipel guadeloupéen donne quasiment sur 1700 km². La Guadeloupe fait partie de l'un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. La réserve de biosphère de l'archipel Guadeloupe est une réserve qui a été désignée par l'UNESCO en 92. Dans le cadre du programme L'Homme et la Biosphère. En 94, elle est la deuxième réserve de biosphère des Petites Antilles après les îles Vierges. La Guadeloupe, laisse-moi vous dire, c'est un petit bijou des Caraïbes, paradis pour certains. Cependant, nos îles sont exposées à des risques naturels, prévisibles pour certains, mais une action efficace demande de les identifier et de les comprendre. J'ai une question à vous poser. Savez-vous c'est quoi un risque? Alors, j'aurais besoin de micro-baladeur, merci. C'est quoi un risque? Alors, Richard dit c'est un événement. Tu passes au PowerPoint, s'il te plaît. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, pardon. Comment je fais ça? Oui, c'est Richard. Excuse-moi, je dois mettre le PowerPoint.
comment je fais pour la question. Je peux? Tu peux parler, Richard, excuse-moi. Ben, un risque, c'est un événement qui peut nous mettre en danger. C'est ça. Donc, voilà, c'est à nous de voir maintenant tout le reste. C'est une probabilité. C'est vrai, c'est une probabilité. Voilà. Ouais. La difficulté. Oui, d'accord. Le risque naturel. Par contre, je ne sais pas. C'est là ou là? Peu importe. On appuie où? Parce que j'appuie tout. 2 secondes. J'ai appuyé là. Ok, on a fait la bienvenue, on a fait le chant, on a fait la prière, on a fait la Guadeloupe et il ne faut pas que ça démarre. Voilà. Et c'est quoi un risque naturel majeur? C'est un risque qui nous fait courir un grand danger. D'accord. Alors, il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. Oui, il y a... Comment tu te prénommes? Tu peux venir, s'il te plaît? Ah, lui, il est un peu trop petit. Il n'y a pas des enfants. Lydie, tu peux venir. En tout cas, en Guadeloupe. Tu peux venir, s'il te plaît. Il faut qu'on aille vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En Guadeloupe, il y a plusieurs risques naturels qui nous menacent. Et là, j'avais prévu quelques petites choses. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que tu reconnais une image là-haut, là? Le volcan. Le volcan. Eh bien, tu sais, il y a un risque naturel, effectivement, le risque du volcan. Après, tu reconnais un autre? Une maison cassée. Une maison cassée, donc c'est un séisme. Après? La tempête. Ben, la tempête, donc risque cyclonique. Et quoi d'autre? L'inondation. L'inondation, en effet, c'est un risque. Et le dernier? Un mouvement de terrain. Et le dernier, avec les enfants qui parlent là. Un tsunami. Un tsunami. Merci à toi. Alors, éboulement de terrain, séisme, tsunami, volcan, inondation et cyclone sont des risques qui nous menacent. Ça n'avance pas. Alors, nous avons vu les risques. Ça n'avance pas. Alors, il y a des risques géologiques, à savoir éruption volcanique, glissement de terrain, séisme, tsunami, et les risques climatiques, inondations, ouragans, typhons. Et je n'ai pas mis le reste parce que les personnes qui font des cours, qui m'ont fait des cours, ne m'ont pas mis tornade ni tempête. Alors, je ne vais pas le mettre. Mais il y a quand même eu une tornade en Guadeloupe. Ça. Alors, là encore, alors, voilà. Un risque, au fait, c'est tout simple. Il y a 2 composants. C'est la coexistence d'un aléa et un enjeu. L'aléa, c'est quoi? Ben, ce sont les risques que nous allons voir, à savoir tsunami, volcan, glissement de terrain, inondation, et quoi d'autre? Séisme. Il y a un enjeu. L'enjeu, au fait, ce sont les habitants, les bâtiments et les transports. Voilà. Alors, quand on parle de risque, on parle de gestion de risque. Alors, pour le risque, il y a 2 mots qui sont très importants que je vous demande de retenir, qui sont prévention et préparation. Et il y a toujours 3 domaines, à savoir, ça mesure les constructions si elles sont résistantes, ça met en place ce qu'on appelle ça élabore les plans d'évacuation. Et chaque premier mercredi du mois, vous entendez sûrement une sirène. Et dernièrement, j'étais à Pointe-à-Pitre, il y a des gens qui étaient très, très stressés. J'aurais dit non, c'est pour nous habituer à un cas de danger. La nuit, ben, on va nous annoncer une sirène. À Bemao, ça fonctionne. Et il y a aussi le plan
Et ça demande aussi à l'élaboration du plan d'évacuation. Donc voici les trois composantes, à savoir élaborer le plan d'évacuation, la mesure des constructions résistantes et bien entendu la mise en place de sirènes. J'avance. Alors, des exemples par rapport à ce que j'ai mis. Aléa, donc il y a de l'eau, puis l'eau s'en va pour une raison ou pour une autre. On met une construction, mais ce n'est pas en Guadeloupe. Ce que je vous dis là, c'est surtout pas en Guadeloupe. Après, on met un habitat, et quand il y a une inondation, on s'étonne après que la maison est inondée. Autre chose, il y a une maison qui est aussi près des plages. Il n'y a pas ça en Guadeloupe. L'aléa, c'est qu'il peut avoir une submersion ou encore un cyclone, avec la houle cyclonique. Après, on met des habitants, on met des bâtiments, habitants ou pas. Et bien entendu, quand le cyclone passe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dégâts. Surtout pas en Guadeloupe. Dernière chose, et je vous demande de regarder, parce que ça, c'est typique de ce qui est arrivé pour Fiona, à Guayave. Il y a une rivière qui a l'habitude de s'étendre, c'est-à-dire de sortir de son lit et d'aller faire de temps en temps un tour sur sa terrasse. Malheureusement, l'homme oublie. On va dire que l'homme oublie. On ne va pas du tout mettre la pression d'urbanisation. On met effectivement encore des habitants. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une tempête ou une crue, on a ce qui s'est passé à Guayave. La même chose pour le CIS. Comprenez très bien que le risque, il y a risque s'il y a forcément des habitants. Un séisme qui se fait dans le désert, il y a quoi comme enjeu? Zéro. Donc, le séisme, il est majeur, mais il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de bâtiments et il n'y a pas d'infrastructures routières. Alors, je répète, c'est une image aussi à se rappeler. Aléa, c'est le phénomène, enjeu humain, bâtiment, infrastructure, qui entraîne des risques majeurs. Alors, forcément, la gestion des risques va faire en sorte de réduit ce qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la fragilité de l'enjeu. L'enjeu, c'était les habitants ou les bâtiments. Et on va voir s'ils résistent au phénomène, donc ça veut dire à l'aléa. Et il y aura ce qu'on appelle une résilience, c'est-à-dire la capacité, que ce soit des habitants ou de la structure, de reprendre un fonctionnement normal assez rapidement. À Guayave, ce n'est pas le cas. Je poursuis. Retenez bien cette image. Je répète, aléa, dans la gestion des risques, c'est la prévision. L'enjeu, c'est la protection. Et le risque, c'est la prévention. Pour le cyclone, 1er juin au 30 novembre, les prévisions, alors jusqu'au 25 mai, c'était censé être modéré, parce que El Niño devait rentrer en action. Malheureusement, il fait terriblement chaud. Je pense que vous avez très chaud comme moi-même. Ils ont revu le 7 juillet, comme quoi qu'il y aura 18 tempêtes de prévues. Ce sont des prévisions. Hein. 4 à 6 ouragans et 1 à 3 ouragans majeurs. Nous avons déjà, en jeu, nous sommes déjà arrivés à Cindy. Le reste, vous les voyez, on va passer assez vite. Alors, j'ai vu qu'il y a Katia, il y a Lee, il y a Philippe. Je pense que ça ira. En matière de prévention, la préfecture ou autre demande à ce qu'on se prépare pour la saison cyclonique, mais pas pour la saison cyclonique, pour aussi les séismes et les autres. J'espère que votre habitation à ce jour est déjà préparée. Juste un petit rappel. Pour l'habitation, contrôle de la toiture, nettoyage des gouttières et lagages, nettoyage des ravins. Et en cas de passage en vigilance, rentrez tout ce qui s'envole, déconnectez la citerne, baissez le niveau de la piscine et surtout protégez les portes et fenêtres. Nous sommes aux abîmes. Il faudrait la mairie, dès qu'il y a un cyclone, met forcément des abris sûrs si votre maison ne peut pas être vulnérable. Voici rapidement la liste des abris sûrs. Mais ça, vous le savez. La mairie des abîmes aussi sait que sur son territoire, il y a des inondations. On connaît, en bas de Chauvel, il y en a.
où c'est encore, à Terrasson, Petit Pérou, Besson, Dugazon, à chaque vigilance, il sort ce document parce que c'est sa responsabilité. Un petit point aussi sur le kit d'urgence que vous devez d'ores et déjà être OK. En paré, plus nous paré, nous moins nous en danger. C'est un proverbe que nous devons retenir. Vous connaissez les différentes mises de vigilance. Je passe dessus et oupla. Tu peux revenir, s'il te plaît. Et je continue. Pour Fiona, je l'avais transmis à notre comité. Il y a eu plus de 500 millilitres d'eau qui sont tombés à la Soufrière. Vous imaginez si c'était tombé à Baïf? Il n'y a eu qu'un seul mort. Je crois que jusqu'à maintenant, Dieu nous a bénis. Et je souhaite que nous prions maintenant, deux à deux, pour remercier le Seigneur d'avoir posé sa main sur la Guadeloupe et qu'il continue à poser sa main sur toute, sur la saison qui arrive, parce qu'elle semble être hyperactive. Prions, s'il vous plaît. Oui, une prière, deux à deux. Thank you.
Merci. J'espère que chaque foyer, que Dieu protégera chaque foyer. Et dans le cas échéant, où il y aura quelques dommages, que nous puissions toujours être accrochés au Seigneur, parce que lorsque vous allez voir les personnes qui ont été inondées ou, ou les maisons très endommagées, on voit même notre frère, souvent il est inondé au-dessous d'un chauvel, ce n'est pas simple. Que Dieu puisse nous protéger. Je disais, là, alors c'est vrai qu'on est réunion de prière et on peut se dire, voilà, on a un cours de risque naturel. Mais on est en réunion de prière ici à l'église, oui. La thématique de ce soir, c'est la croix, le risque salutaire, et si c'est aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons vu, avez-vous une petite idée, parce que cette partie-là, nous allons la co-construire ensemble, est-ce que vous savez c'est quoi ça pourrait être le risque salutaire? Est-ce qu'il y a un danger? Parce que j'ai entendu parler de danger tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un danger dans le salut? Alors, selon vous, c'est quoi le risque salutaire? Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader? Parce que j'ai bien envie de vous entendre. Et je ne veux pas trop prendre de temps, mais bon, j'ai envie de poser. J'ai pris le temps de poser un certain nombre de choses tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez retenu. Oui. Tenter de s'éloigner de Dieu, soi-disant pour un court instant, c'est prendre des risques. Qu'est-ce que tu as dit? Tenter de s'éloigner de Dieu, c'est prendre des risques. D'accord. Quoi d'autre? Qui? Rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai des choses à... Mais j'ai envie de vous entendre. Pour... Merci, Monette. Qui d'autre? Le risque salutaire, c'est quoi pour vous? Bon, j'avance. Tout à l'heure, je répète, j'ai parlé que la gestion des risques, il y avait un aléa. L'aléa, c'était le cyclone, l'inondation, le mouvement de terrain, etc. Il y avait une vulnérabilité. D'accord? Et il y avait quoi d'autre? Alors, je rappelle que la vulnérabilité, c'est la fragilité qu'entraîne, par exemple, le cyclone sur nos habitations, sur les bâtiments. Et nous devons avoir cette résilience, cette capacité à surmonter la crise qui a été provoquée par l'aléa, à savoir le cyclone, l'inondation. Et bien entendu, il y a ce qu'on appelle l'acceptabilité. Il y a trois notions, prévision, protection et prévention. J'y vais. Quand on parle de salut, on parle de quoi? S'il y a eu salut, c'est qu'il y a eu? Il y a eu péché. Merci. Donc, il y a eu le phénomène péché qui a débarqué sur la terre. Il a commencé au ciel par une guerre, Apocalypse 12, on est d'accord? Et ce phénomène s'est abattu sur la terre comme une tornade, mais une tornade violente. Il y avait qui sur la terre? Un enjeu. L'homme, Adam et Ève. Et qu'est-ce qui a dû se passer? La grâce, le Seigneur a dû être là. Au départ, il n'y avait pas de péché. Il était à l'image de Dieu. Et j'aime bien le pasteur qui a dit, mais le Satan dit, mais tu auras les yeux ouverts. Et nous avons, et nous sommes en train de compter les dégâts et les conséquences sur cette terre. Alors, j'avance. Bien entendu, c'était mort ou vie. Je poursuis. Il y a un astre brillant qui se dit Hélel en hébreu. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on voit les textes ou pas. Oui ou non? Hélel. Alors, on va prendre Ézéchiel 28, versets 13 à 14, qui va noter que c'était un astre brillant, un chérubin. Il était très beau à l'époque. Ézéchiel 28, on y va? Bon, je vais lire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le verset 16 qui dit, j'aime beaucoup le verset 16. Par ta grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as
péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. On revient sur la... Merci. Donc, astre brillant. Alors, tout à l'heure, j'ai mis tornade. Bon, là, j'ai mis une tyrolienne parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Mais en tout cas, elle a été précipitée sur la terre rapidement. Vous connaissez la rapidité de la tyrolienne quand vous en faites. Et il est tombé comme un éclair. Voilà. Et il est tombé à cause de son orgueil. À partir de ce moment-là, Satan était adversaire de Dieu. On le sait dans Apocalypse 12, versets 7 et 9. Il y eut guerre dans le ciel. Il fut aussi... La terre fut impactée parce que les feuilles sont tombées et puis les chiens mordent les gens ainsi que les lions. Et l'homme, bien entendu, comme il a mangé de fruits, il l'a connu. Il a dépéri. On voit toutes les conséquences de Genèse de tout ce qui va lui arriver. Et la femme doit enfanter en tant que femme. Elle doit enfanter dans la douleur et le monsieur doit travailler à la sueur de son front. Donc, voici tout ce que ça a entraîné. Adversaire de Dieu, de l'homme et même la terre a été impactée. Vous avez vu en haut, j'ai mis l'aléa. L'aléa, c'est le phénomène de Satan qui est descendu sur la terre. Autre chose. Adam, il était à l'image de Dieu. Et quand il a connu le péché, il a été vulnérable. Et quand on parle de risque naturel, c'est qu'on va révéler la vulnérabilité de où nous habitons. Vous comprenez très bien que si on habite, comme mon cher ami Étienne, au haut d'une colline, on ne craint pas les inondations. Par contre, si on est à Chauvel, là, et je ne vais pas citer de nom, on peut être très inondé. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Dans le cas d'Adam et Ève, c'était la mort. Et tout ce que nous, et tout ce qui est de mauvais dans l'homme. Donc, bien entendu, donc il est devenu pécheur. Il a connu le péché. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien lire? On va lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Parce que non seulement que le péché a détruit l'aspect corporel de l'homme, c'est-à-dire les cellules, vous avez vu que je commence à vieillir, c'est la sagesse, il semble, mais aussi, on peut mourir à n'importe quel moment. Je ne sais pas si, comme moi, vous regardez les avis de décès sur RCI, mais moi, j'aime bien faire les statistiques. Avant, c'était les gens de 80, 90. Aujourd'hui, il y a des gens de 44, des enfants de 9 ans. Mais, enfin bref. On y va. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Et qui peut lire, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut lire? Ne savez-vous pas, merci, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les féminés, et ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni hériteront le royaume de Dieu. Voici la description de l'humain après le péché. C'est bien loin de l'image de Dieu. Vous avez vu comment l'humain, il est vulnérable aux maladies, il est vulnérable aux risques naturels, mais il est vulnérable aussi à lui-même. C'est ça qui est, et c'est de ce que nous allons parler ce soir. Alors, heureusement, Jésus est venu. Et si vous êtes nous sommes tous là ce soir, c'est parce que nous croyons à ce Jésus. Nous croyons à son sacrifice, à son sang versé, à sa résurrection, à son amour pour nous, à ce qu'il veut rétablir, ce qui était cassé en Adam et Ève. Et Galates 3, verset 13, est-ce que nous pourrons lire, s'il vous plaît? Et après, on va lire Hébreux 2, versets 14 et 15. Est-ce que quelqu'un peut lire? Levez la main, on n'a pas beaucoup de temps. Tu vas lire le deuxième. Je vais donner. Galates 3, 13. 16.
16, hein? Il y en a 3, 13 que j'avais dit. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est extraordinaire. La triade qui a créé l'humain, qui a donné son souffle, qui a organisé tout ce qui est sur la terre, a dû réparer une décision de Adam et d'Ève. Je me rappelle que lorsque Frère Michel était là, c'était son texte préféré. Jésus s'est fait malédiction. Tout à l'heure, Catherine, tu as lu toutes les caractéristiques. Ça t'est Adam aussi, hein? Eh bien oui. Lisons Hébreux, qu'est-ce que j'ai dit, Hébreux 2, 14 et 15. Merci Théo. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui. Celui qui est avec lequel qui a une guerre dans le ciel. Je me souviens d'une leçon du trimestre dernier. Satan a perdu, Jésus a gagné. Et c'est vrai que lorsque nous traversons des moments difficiles, on ne voit pas la croix, hein. On ne voit pas tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il est là. Il est là dans les épreuves. Merci beaucoup. On va aussi lire, s'il te plaît, tu peux, voilà. Non, reviens. On va aussi lire Éphésiens 2, verset 8. Isabelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés pour le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci. Non seulement que Jésus est venu sur la terre, il suscite en nous, même s'il nous laisse le choix, des gestes d'amour. Vous n'avez pas cela, c'est un don de Dieu. Il fait des petits clins d'œil, il nous donne des cadeaux qu'on ne voit pas, on continue à murmurer quand on a un problème au genou, on a un problème de tension. Est-ce que nous prenons le temps de compter les bienfaits et de voir ce qui s'est passé à la croix? Et je terminerai par une chose que nous avons vue cette semaine qui est extraordinaire. Et j'avais dit, Freddy, tu as souri, que nous allons frôler les airs du ciel céleste. Lisons Éphésiens 2, versets 6 et 7. Oui, merci Shekina. J'avance. Richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci. Vous avez entendu la première partie du verset? On est où? On est assis à côté de Jésus. C'est extraordinaire et pourtant je suis à Chauvel, Freddy. Hein? Faut saisir ça par la foi. Faut saisir ça par la foi. Vous avez tous les cadeaux qu'il nous donne, même lorsque nous aurons égratigné, serait-ce que par le cyclone. Je continue. Je reste là. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis Aléa en jeu et la croix. Au-dessous, c'était marqué pour Aléa, prévision, pour l'enjeu, protection, et pour l'autre, préparation. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le risque salutaire, le risque naturel nous demande de nous préparer, de préparer la maison, d'accord? Et ceux qui sont tout autour. Le risque salutaire, qui n'est pas un danger, nous demande de la même manière de nous préparer. Grâce à Jésus, il nous protège. Et il nous protège de tout danger. Vous en êtes sûrs? Ou pas?
J'entends pas d'amen, c'est pas grave. Il nous a donné la grâce qui nous accompagne tous les jours, 24 heures sur 24. Amen. Et il nous a dit une chose. Qui peut me lire Éphésiens 6, verset 12? Bon. Il n'y a personne, alors je vais lire. Car nous n'avons pas lutté contre, c'est-à-dire pas contre moi, hein, mais contre les dominations que nous ne voyons pas, contre les autorités que nous voyons, contre les princes de ce monde que nous pouvons mettre de ce monde de, contre les esprits dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que on n'est plus à « j'aime pas Étienne, je supporte pas Étienne hein. ». Le combat, il est level, hein. Il est envers nous-mêmes. Et je reviens à une chose. Quand on parle de risque naturel, on parle de vulnérabilité par rapport au phénomène qui va passer. Quand on parle de risque salutaire, on parle de vulnérabilité de qui? Pardon? Ah, de soi-même? Ah là là. Donc ça veut dire, est-ce que le ciel... C'est vrai qu'il m'a dit que c'est un don gratuit. Et je me rappelle une fois que Loï avait dit, c'est pas aussi gratuit que ça. J'ai jamais oublié ce que tu m'avais dit, j'ai pas encore compris. C'est gratuit, mais ça a quand même un coût parce qu'on fait un choix. Mais ça aussi un coût parce que l'Éternel nous donne par sa parole une liste de choses à faire. Et malheureusement, alors j'aimerais dire que le serment c'est d'abord pour moi, hein. Ce n'est pas pour vous, c'est d'abord pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez pour vous, mais c'est d'abord pour moi. C'est d'abord pour lutter pour tous les défauts de Marilyn. Pas des vôtres. De Richard aussi? C'est vrai. La vulnérabilité par rapport à ce monde, par rapport à ceux que nous environnent, par rapport à ce qu'un risque naturel peut nous entraîner à maugréer contre Dieu, par rapport à une maladie qui peut nous entraîner à murmurer contre Dieu, par rapport à un problème de la famille qui peut nous secouer. Ma grâce te suffit. Et Dieu, pour nous permettre de réduire les vulnérabilités, parce que c'est ce qu'on fait dans la gestion des risques, c'est ce qu'il nous donne dans sa parole, chaque jour, pour nous permettre de siéger dans les lieux célestes. J'arrive vers la fin. Ça ne fait pas? Alors, vous comprenez que la prévention, que le risque salutaire colle à la gestion des risques naturels. Aléa, enjeu et gestion des risques, prévision, protection des habitants et prévention. Il y a tellement de prévention dans la Bible, c'est pas croyable ça. Hein? Tu ne tueras point, mais c'est une prévention parce que sinon, hein? Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, ce sont les 10 commandements. Mais il y a pas mal de prévention. Non, avant, s'il te plaît, avant. Après. Voilà. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur vous dit ce soir, même si le risque naturel passe chez vous, casse votre maison, c'est vrai que vous allez pleurer, c'est normal. L'Église devrait être à vos côtés pour cheminer avec vous, autant que faire se peut. Mais nous devons avoir aussi la foi. Alors c'est vrai que j'ai parlé de bâtiment, mais ça peut être aussi un emploi qui part, comme on a vu. Le Seigneur est à la barre. Votre foi, ma foi, sera éprouvée par le feu pour grandir. Si je ne confronte pas ma vulnérabilité à la parole de Dieu, vais-je grandir dans ma foi? Et pourquoi on pleure quand il y a des épreuves? Je poursuis, je termine. C'est pas besoin de me répondre. Tu reviens. Non, c'est moi qui fais... Après? C'est ça? Bon, après encore?
Il y a une chose que je ne vois pas. Je suis un peu... Oui, ceux qui avaient le U là tout à l'heure, c'est avant, c'est ce que je disais. C'est que quand je fais ça, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Tu fais ou je fais? Voilà, c'est cela. C'est la synthèse de ce que nous avons fait. Astre brillant, guerre dans le ciel, séparé du ciel, il est descendu sur la terre. J'ai mis le lion, ça vous fait penser à quel verset? Tu peux prendre le micro, Étienne? Vas-y. Vous avez vu un lion montrant ses dents? Ça veut dire qu'il ne va pas nous faire de cadeaux parce que nous avons fait le choix du Seigneur. Il ne va pas nous faire de cadeaux. Et ça va passer par beaucoup de choses que nous ne prisons pas. Par beaucoup. Conséquence, séduction, il a séduit Adam. Donc, conséquence pour le pécheur, on l'a vu. Nous sommes devenus vulnérables, vulnérables à l'environnement, vulnérables au point de vue santé, vulnérables au point de vue spirituel. Cependant, Jésus est venu à notre secours par la croix. Et on remonte. Il nous a donné sa grâce et sa miséricorde. Nous sommes sauvés par grâce. Même si qu'une lutte cosmique, nous avons la grâce et nous savons qu'il est à notre côté. Il nous a promis la vie éternelle et nous siégeons dans les lieux célestes et nous attendons d'être la nouvelle Jérusalem. Janus. La CCI, tout à l'heure, j'ai montré les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles. Et moi, je me suis dit que dans le risque salutaire, il y a tant d'amour pour elle, pas pour Marilyn, hein, pour l'Église. Parce que Jésus viendra chercher une Église pure et sans tache. Je vous demande de fermer les yeux quelques secondes. À toi qui m'écoutes. Oui, toi qui m'écoutes. Jésus t'aime. Alors, vous avez compris, il y avait deux mots gestion, préparation et prévention. J'entends beaucoup mes anciens dire, il faut se préparer. Il y a même certains qui disent, je suis prêt. J'ai une question. Comment être prêt au sein de ce combat cosmique? Comment gérons-nous nos vulnérabilités? Quelle résilience que nous avons par rapport à cette lutte? Et je vous ai montré le kit d'urgence. Quel est notre kit d'urgence? Je vous écoute. Allons vite. On peut faire circuler. Théo a besoin de parler. Je pensais dans un premier temps à la prière et aux promesses de Dieu. C'est ça, prière, promesses de Dieu, oui. Il y avait Monette qui voulait... Oui, excuse-moi. Éphésiens 6, 13, hein, 13 hein, quand il souligne le combat, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, etc. Et le verset 13 nous donne le kit d'urgence, à mon sens. Hein. C'est quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, tenir ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme à vos, et à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds, le zèle, etc., etc. Je pense qu'on peut trouver un bon kit là aussi. Toute bite est là, Freddy. Hein? C'est le kit d'urgence. Quand en fait on doit aller à l'Ukraine, on ne va pas avec des sandales et un maillot de bain. Il me semble. Enfin, c'est pas ce que je vois dans ma télé. Même si que la Guadeloupe c'est un paradis et que chaque matin certains vont en maillot de bain jouir de la plage du Gosier, je ne vais pas dire qui. C'est pour ça qu'ils sont très en forme. Cependant, quand on est en guerre, on est en guerre. Et quand on est en guerre, il n'y a pas une minute. C'est non repos. Non repos. Et pourtant, certaines fois. Nous laissons notre vulnérabilité sans protection, alors que Jésus a fait la prévention parce que nous savons ce qui va arriver. Je vous laisse réfléchir sur tout ça.
J'aimerais que maintenant que nous prions tout seuls, afin que nous demandons à Dieu de gérer nos vulnérabilités par rapport à ce siècle. Nous sommes dans un siècle particulier où nous savons qu'il y a plein de lois qu'on ne dit pas parce que, bon, il y a un enfant qui a disparu, il n'y a plus d'informations, il y a beaucoup de choses qui passent, notamment dans le cadre du numérique. Et je souhaiterais véritablement, je peux vous dire que tout se met en place pour que Jésus revienne. Il est important que nous gérons nos vulnérabilités pour qu'il n'y ait pas des conséquences lors du retour du Seigneur. Mettons-nous à genoux et après, France, tu feras la prière. Quand on aura fini. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons élever nos âmes vers toi ce soir pour te remercier de ta bonté, de ta grâce, de ta patience envers nous. Tu nous rappelles combien il est important pour nous de nous préparer pour ton retour glorieux. Mais tu nous fais savoir également que nous avons un ennemi qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais tu nous donnes aussi le moyen, la force, tu nous donnes le courage, tu nous donnes de pouvoir regarder à toi pour pouvoir résister au piège de l'ennemi, de pouvoir rester fidèle à toi dans toute situation, face à toute opposition de l'ennemi. Nous te prions, Père éternel, de nous aider à pouvoir chaque jour rechercher ta présence, rechercher ta face, dans la prière, dans l'étude de ta parole, dans une véritable communion avec toi, et que, comme tu nous l'as promis, nous accorder ton Saint-Esprit, afin que par l'Esprit, nous puissions connaître une vie de sainteté, de pureté, une vie de victoire sur nous-mêmes, sur nos défauts de caractère, sur nos mauvaises habitudes, sur nos penchants, pour pouvoir ainsi, Père éternel, parvenir à l'idéal, l'objectif que tu as placé devant nous, qui est de te ressembler. Permets que ton Église puisse être une Église qui est prête, quel que soit ce qui peut arriver, que lors de ton avènement, que tu puisses dire, voilà l'Église glorieuse, l'Église qui s'est préparée pour ton retour. Bénis chacun de nous, veille sur nous durant le reste de notre vie. Nous te prions ainsi dans le nom et par le mérite de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux, Emmanuel, passer le micro à Dina? T'inquiète,
Dina. La préparation, certes, elle est spirituelle. La préparation, elle est pour les sportifs. On dit bien que c'est une course chrétienne, c'est ça? Donc, si c'est une course chrétienne, donc il faut être en forme. Donc, nous savons à l'Église adventiste un programme aussi. Parce que l'Éternel a dit, j'espère que tu prospères à tous égards et que tu sois en... Même si qu'on fait la tension, même si qu'on fait le diabète, même si qu'on a un problème articulaire, arthrose, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Et Dina, souvent dans cette église, a rappelé le programme New Start. New Start, c'est en anglais, mais j'ai trouvé le truc en français. Santé de fer. Santé de fer. S pour soleil. Soleil. A pour air. N pour nourriture. Nourriture. T pour tempérance. De. F pour foi ou confiance. E pour eau. Eau. Et R pour repos. Repos. Merci Dina. C'était pas une évaluation surprise. Nous devions avoir une santé de fer pour traverser les moments difficiles. Nous devons aussi avoir une santé de fer quand vont passer les risques naturels, par exemple un cyclone, pour ne pas tenir la tôle, mais au moins, non, mais au moins avoir l'huile de coude pour se clouer ce qu'il faudrait clouer. Je termine. J'aimerais vous laisser avec certaines promesses. Lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Personne qui m'écoute, chaque frère et sœur qui m'écoutait, enfant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Combat, parce que tu n'as pas encore achevé la course, et surtout, garde la foi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te dit à toi qui m'écoutes, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène surtout pas de regard inquiet par rapport à ce que tu vois, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te souhaite, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. J'aimerais que vous leviez et que nous chantions les paroles du psaume du chant numéro 95. Après quoi on va s'asseoir et il y a quelque chose après. Donnez-nous juste 5 à 10 minutes, c'est tout. 5 minutes. On va chanter que deux strophes du psaume du chant 95 ou un seul, parce qu'il y a des gens. Ou deux. On y va? On chante debout, oui. Je sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Alors, on y va? Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire. Ma misère et reçu mon sauveur. Lui, j'ai la vie. Merci à vous et asseyez-vous. Théo, tu peux venir. Te plaît. Alors Théo, le 19 avril, tu as prié pour
la réussite scolaire de chaque étudiant de Boissard et de la Guadeloupe, principalement de Chauvel. Tu te rappelles? Alors viens. Tu te rappelles de ça? Mais je pense que tu n'as pas le retour de tes prières et de nos prières. Ah bon? Non. Pas encore, c'est vrai. Pas encore. À Boissard, ils ont quasiment eu 100%. Amen. Amen. À Rama, ils ont eu 100%. Amen. Tu sais qu'à Chauvel, il y a eu 100%. Amen. Mais avec mention. Il y a eu mention très bien, mention bien. C'est formidable, ça, la grâce du Seigneur. J'aimerais appeler, Jonathan n'a pas pu venir, j'aimerais appeler la maman de Jonathan, pas, ou le papa, bon bref. Après, qu'il y a Judith Samuel. Alors, Jonathan, c'était pour le BTS. Judith Samuel, c'était pour le bac. Après, nous allons au DNB. Elsa. Elle est où, Elsa? Elsa. Shekina. Et Noah n'est pas là. Non? Voilà. Il y a eu des mentions par là. Extraordinaire. Mention très bien, mention bien. J'aimerais juste, avant ce qui va suivre, qu'Étienne vienne prier. Non seulement pour ces jeunes, pour nos jeunes, pour les familles, et ça va être la fin, rassurez-vous. Étienne, tu viens prier, s'il te plaît. Alors, est-ce que la maman de Elsa peut se joindre à la prière? Catherine, possible? Toi, tu es venue seule? Toi, tu es venue seule? Ta maman, ah, mais elle, Victoria! Tu peux venir, parce que quand un enfant réussit, c'est pas lui tout seul, hein. Pour être passé par là, il y a aussi Dieu, mais il y a aussi les parents, hein. Et j'ai envie de dire surtout les mamans. Enfin bref. Ah oui, c'est vrai, il y a les papas. On va prier. Nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier ensemble. Ceux qui le peuvent. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, voici tes enfants devant ta face en ce soir. Nous venons, mon Dieu, par la grâce, à cause des compassions, de la miséricorde et de l'amour de ton Fils Jésus, qui s'est donné pour que chacun de nous, nous ayons la vie éternelle. Nous voulons bénir ton nom parce que tu nous as fait des promesses qui sont extraordinaires. Et tu as mis en nous le moyen de la foi pour que nous puissions saisir ces promesses. Et au nom de Jésus, nous les saisissons. Et nous voyons les résultats. En attendant ton retour, nous sommes encore sur terre. Nous devons apprendre, étudier, travailler, former un foyer, une famille, avoir des enfants pour ceux qui n'auront pas, et cheminer ainsi jusqu'à ton retour. Mais ce que tu nous demandes, c'est de marcher avec toi tous les jours, pas à pas, être toujours en ta compagnie, être toujours serré contre toi. C'est pourquoi nous voulons te présenter ta jeunesse et te remercier pour la réussite extraordinaire et éclatante que tu as donnée à tous ces jeunes qui sont prosternés devant toi, non seulement à eux, mais à tous les autres jeunes de la Guadeloupe. Notre Père et notre Dieu, ils veulent préparer un avenir, mais pas sans toi. Ils veulent préparer leur futur avec toi. Ils veulent te mettre dans leur plan, dans leur projet, quel que soit leur plan et leur projet. Nous te prions, Seigneur, de les exaucer encore en ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu les prépares aussi à achever ton œuvre ici-bas. Tu les prépares pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui vont te représenter dans la société. Ils ont une lourde charge, une grande responsabilité sur leurs épaules, mais nous savons qu'ils ne sont pas et qui ne seront jamais seuls pour accomplir cette tâche. Tu les accompagneras toujours, et cela tous les jours de leur vie. Bénis aussi les parents qui ont donné de leur temps, qui ont donné, Seigneur, de leur personne, qui ont marché à genoux, qui se sont levés le matin à 4h, à 5h du matin, pour te prier, pour te présenter leurs enfants. Seigneur, bénis tous ces foyers, permets que la paix demeure dans chaque foyer au sein de ton Église, et que ton Église puisse briller dans ce quartier. Fortifie ces jeunes, Seigneur, et préserve-les, Seigneur, de ce lion rugissant qui cherche qui dévorer, mais qui ne trouvera aucun jeune à Chauvel pour dévorer. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te réclamons toutes ces grâces. Amen.
Vous restez en place. Je remercie chaque jeune, chaque parent. Et Lydie et moi, le département d'éducation GCV, nous avons voulu vous, comment dirais-je, avoir une petite courtoisie envers vous, pour que vous ne oubliez pas que vos, comment dirais-je, que vos efforts sont récompensés. Je prends celui-là, je garde celui-là. Alors, je sais que Théo, tu es en train de me regarder pour me dire, ouais, tu n'as rien passé. Oui, je sais, mais c'est toi qui as prié. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé de rester. Mais et tu restes c'est là. C'est un plaisir de voir le retour sur l'investissement. tu vas m'aider. Samuel, tiens. Tu m'aides. Eh bien, Shekina. Oui, mais c'est pas bon, c'est vrai. Lydie, tu m'aides. Parce que tu... Pas comme moi, quoi. Jonathan, ouais. Combien de bisous de Jonathan? Merci à papa qui est là. Après, Elsa. Merci Elsa. Alors j'aimerais dire que Elsa a une mention très bien à DNB. J'aimerais dire aussi, il faudrait que nous prions, je l'attendais, je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas grave. James a réussi sa prépa MPCI et il faut que nous prions pour lui. Amen. Et voilà. Donc, en dépit des difficultés, Dieu montre Amen. Toujours qu'il est là. Bon courage, toi, sœur. Et il reste. Non, je vais voir. Et là, c'est. Merci. Noah. Noah n'est pas là. Alors, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Parce que nous sommes en juillet. Tu as dit que tu pars en septembre. Je ne sais pas quand en septembre. Et l'éducation n'aura rien en septembre. Donc, sachant ça, donc on a pris de l'avance. Tu vois, on t'a donné un petit sachet Guadeloupe pour que tu n'oublies pas la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe est une poussière d'île sur la carte. Pour que tu te rappelles qu'il y a la Guadeloupe, et à la Guadeloupe, à l'île de la Grande-Terre, il y a Chauvel. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a deux personnes que j'aimerais... Pour aller. Ah non, vous restez là. Sauf les parents, vous pouvez aller. Il y a deux personnes que j'aimerais aussi remercier. Deux jeunes. Et souvent, nous disons que nos jeunes ne font rien, mais il y a deux jeunes que j'aimerais remercier, qui sont toujours là, et Giovanni et Emmanuel. Bon, tu viendras après? Viens, viens. Comme c'est la fin, je vais vous demander une dernière chose, les lauréats. Merci aussi à toi, Giovanni. Merci pour la partie technique. Ils sont tout le temps là. Il y a un que j'aimerais, je vais voir après. Valentin, il y avait quelque chose pour lui. Puis, il y a les enfants de Gina, qui sont là tous les mercredis. J'ai quelque chose pour vous. En tout cas, pour les lauréats, comme on va partir, je ne vais pas trop prendre du temps. Vous savez ce que je vais vous donner? Comme toi, tu ne vas pas avoir grand monde. Vous allez être, comme on a prié pour vous, ben, vous allez faire le salut à la communauté. Merci. Voilà. Bonne soirée. Merci à vous. J'espère que j'ai pu partager avec vous des formations sur la gestion des risques naturels, les risques nucléaires et les risques numériques. Je vous remercie de votre écoute et que Dieu vous garde et bon courage.